J'aime bien tout d'abord ce que je vais dire, le titre de ce débat, Europe de paix et de liberté. J'aime bien d'ailleurs, Walter, la façon dont tu as commencé ce débat. Moi qui travaille beaucoup sur les questions d'immigration. Mais si j'aime bien le titre, c'est parce que je pense que c'est exactement le contraire de l'Europe actuelle. Actuellement, nous avons une Europe de défense, une Europe de sécurité, une Europe militariste même et sécuritaire. Une Europe d'austérité, une Europe d'autorité, une Europe liberticide. Donc quand on dit Europe de paix et de liberté, c'est exactement cette autre Europe pour laquelle nous devons nous battre. Cette Europe-là, elle se construit des ennemis et elle se construit des boucs émissaires. Elle dresse à ses frontières des murs en béton, en barbelés et même de plus en plus des murs technologiques. On est en train d'adopter au Parlement européen des textes qui vont instaurer des frontières intelligentes. C'est tout un programme. Ces frontières intelligentes, elles n'ont pas d'autre objet que de bloquer un certain nombre de migrants. Et je dis bien un certain nombre. Parce que on nous dit qu'on va faire le tri entre les bons réfugiés et les mauvais migrants. C'est pas vrai. La réalité des chiffres, c'est que chaque année, plus de 2 millions de personnes rentrent régulièrement sur le sol de l'Union européenne. Parmi ces 2 millions de migrants, il y a 500 000 Ukrainiens. J'ai rien contre les Ukrainiens, mais c'est la première nationalité qui est accueillie dans l'Union européenne. Pour 450 000 d'entre eux, ils sont accueillis en Pologne. Et ils sont accueillis avec des titres de travail. Ils rentrent régulièrement sur le sol de l'Union européenne. Et pendant ce temps, à l'intérieur de l'Union européenne, il y a 2 500 000 travailleurs détachés, dont beaucoup viennent justement de Pologne. C'est du dumping social organisé à l'extérieur de l'Union européenne, mais aussi à l'intérieur de l'Union européenne. Parce que les Polonais sont parmi les plus virulents contre l'accueil des migrants et des réfugiés. Mais eux, ils accueillent chaque année le plus de ressortissants étrangers. Et pendant ce temps, les Polonais viennent travailler à l'ouest de l'Europe. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que nous arrivions à dénoncer. La question migratoire et la question sociale sont intimement liées et il faut que nous la dénoncions en tant que telle. Deuxième chose, il y a à travers le monde aujourd'hui 244 millions de migrants internationaux. Sur ces 244 millions de migrants internationaux, il y a 60 millions de migrants internationaux européens. La moitié d'entre eux sont des migrations intra-européennes. Ce qui veut dire que l'autre moitié part en dehors de l'Union européenne. Et pendant ce temps, il y a 35 millions de migrants originaires d'Afrique. Mais sur ces 35 millions de migrants originaires d'Afrique, 85% de ces migrations sont des migrations intra-africaines. Donc il ne faut pas que nous nous laissons siéger par les fantasmes et par les peurs, par le discours qu'ils sont en train de nous amalgamer et que nous finissons, même nous, par plus ou moins intégrer. Il faut que nous disions haut et fort qu'il n'y a pas eu une crise des migrants, comme ils nous disent. Il y a juste eu une crise de l'accueil des réfugiés. Et tu l'as très bien dit, Walter. Si on regarde les chiffres de la protection internationale accordée par les pays d'Union européenne en 2015 et 2016, au moment de la fameuse crise, il y a eu à peu près 1 million de titres accordés pour protéger. 1 million par rapport aux 62 millions dont tu parlais, 62 millions de déracinés. 1 million par rapport à 500 millions d'habitants. 1 million dans la zone la plus riche du monde, la zone économique la plus riche du monde, dans laquelle les écarts entre les plus pauvres et les plus riches ne cessent d'augmenter, mais néanmoins. Donc il faut vraiment que nous saisissions de cette question parce que c'est une question centrale. Et je vais, pour terminer, pour ne pas être trop longue, faire quelques propositions parce que ça me paraît tout important sur ce que nous devons discuter ici, ce dont nous devons nous emparer. Je pense qu'il faut que nous nous battions pour une réelle liberté de circulation et pour un réel droit à la mobilité pour tous ceux et toutes celles qui vivent sur la planète.
aujourd'hui un tiers de la population mondiale, la plus riche, seule a le droit à la mobilité et à la liberté de circulation. Les autres, ils sont cantonnés dans les pays du Sud, et c'est les pays du Sud qui font le plus d'efforts en matière d'accueil des réfugiés. Il faut que nous nous battions pour le respect du droit international, à commencer par le droit à la vie. Parce qu'il n'est pas supportable, effectivement, que plus de 35 000 personnes soient mortes dans la Méditerranée à cause des politiques des États membres de l'Union européenne depuis le début de l'année. Et qu'il y en ait quasiment autant qui sont morts dans le Sahara. C'est ce que nous disent de plus en plus les ONG aujourd'hui. Le continent européen est le continent le plus mortifère du monde pour les migrants. Disons-le, répétons-le, c'est insupportable. Nos gouvernements ont les moyens de faire autrement. Et puis, il faut que nous menions une bataille. Il y a déjà d'autres propositions, je vais en rajouter une, pour la signature de la Convention internationale sur les droits des travailleurs migrants et de leurs familles. Aucun pays de l'Union européenne n'a signé cette Convention internationale. Pourquoi ? Parce que dans cette Convention, il est dit que tous les migrants ont des droits. Et ça n'est pas supportable. Il faut que nous menions ces batailles, parce que je vais paraphraser Gramsci, Eleonora ne m'en voudra pas, en terminant, parce que si nous n'arrivons pas à construire un nouveau monde, parce que derrière les migrants, c'est le nouveau monde de demain qui est apparent, eh bien les monstres vont surgir, on les voit un peu trop apparaître, il faut que nous soyons capables, nous, de développer une alternative intégrant cette question-là. Nous ne devons pas en avoir peur, comme trop souvent certains de nos camarades en ont peur. Merci à tous. Merci.